Fouillez le marais. Nos frères comptent sur nous. Suivez-moi. Allez, il faut tous les retrouver.
conscience. Vite, il l'a emmené auprès du géant d'osier. Formez une ligne. Gardez la porte. Je vais chercher Vitalion. Yeah!
Prenez le bélier! Détruisez le géant d'osier! Plus loin que ce que l'on voit. Beau travail, Marius. Soldat! Soldat! Ne restez pas planté là, espèce de bon à rien! Faites-moi sortir! Faites-moi sortir immédiatement! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis! C'est un ordre! C'est ta victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche! Viens là, espèce de crétin! Donne-moi ta cape! Donne-moi ta cape! Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin. Et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité de Rome, et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement, en toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix.
afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur. Que le roi pose son sceau sur ce parchemin et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Voici le sceau de l'empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens. Embrasse-moi. Roi Oswald. Voilà ta paix. Non ! Comment oses-tu ? Espèce de chien galeux ! De quel droit ? Tu vois ? Tu vois ce qui se passe quand on me défie ? Personne ne me... Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'empereur. Sauve Rome, Marius. Allez ! À genoux, chien ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'ai dit à genoux ! Ce n'est pas le moment, Boutica. Mon père est un dieu! Je suis un dieu! Obéissez-moi! Comme vous obéissez au dieu! Conduisez-nous au bord! Vitalion! Je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles! Et surtout n'épargne personne! Vous allez le payer très cher! Nous tuerons chaque homme, chaque femme et chaque enfant, et nous cracherons sur vos tombes. Renforcez les murs. Repoussez-les. Vite. Fermez les portes. Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent, compris? Je vais rester ici. Occupez-vous des murs. Marius, nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi de rentrer le plus longtemps possible. Nous devons mener tous les civils au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice. Allez !